Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Binance. Je vais vous faire un petit tuto sur comment acheter de la crypto facilement, rapidement avec l'application Binance directement de son téléphone portable. Parce que moi, voilà, je trade qu'avec ça, mon téléphone. Donc voilà. Mais avant de commencer, si vous êtes intéressé par tout ce qui est crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je sors plusieurs vidéos par semaine. Allez, bref, on rentre dans le vif du sujet. Je vais lancer l'enregistrement et on va partir directement. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur Binance. Mais justement, avant de rentrer dessus, est-ce que vous êtes inscrit sur Binance? Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance, le lien est dans la description. Vous aurez aussi des rabais sur vos transactions, tout simplement. Donc voilà, là on est sur Binance. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire en premier? S'inscrire, ça c'est la base. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier son compte, faire le KYC, vérification de compte. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi je suis vérifié, donc il faudra simplement faire votre KYC. Ok, une fois que ça c'est fait, on va aller dans la sécurité, parce que c'est bien d'acheter de la crypto, c'est surtout bien aussi de la garder. Ça, voilà, c'est très important. Donc vous allez aller ici dans sécurité et vous allez mettre tout ce que vous avez à mettre. Donc voilà, l'authentification à deux facteurs avec Google, avec SMS, avec email. Bref, plus vous en ferez et plus vous serez en sécurité et moins on saura venir sur votre compte Binance. Bon, une fois que c'est fait, on est content. Vous allez voir qu'il y a deux options. Vous avez soit vous allez acheter avec des euros, soit vous achetez des euros directement avec votre carte bancaire, okay, votre carte Visa ou Mastercard, ou alors vous pouvez faire un dépôt d'euros avec avec du SEPA, ok, donc un virement bancaire. Si vous voulez faire ça, vous allez ici, vous avez simplement en fait votre virement bancaire, voilà, 1 € de frais de transaction, ou alors vous avez, prenez votre carte bancaire Visa Mastercard, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous faites carte bancaire, vous faites continuer et vous suivez en fait les instructions. Vous allez avoir des euros. Ensuite, c'est là que ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des euros? Eh bien, on va le convertir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le convertir? C'est très simple. Vous allez ici dans Trade. Vous cliquez au milieu sur Trade. D'accord? Une fois que vous avez vos euros, je vous montre ici. Donc voilà, une fois que vous avez vos euros, donc pour vos euros, ils seront ici. Hein. Je vais vous montrer juste là. Attendez qu'on revienne. Voilà, pour les euros, vous les aurez ici. Donc vous aurez un solde avec euros. D'accord? Vous aurez euros, vous aurez votre solde ici. Par exemple, vous mettez 100 euros, vous allez avoir 100 euros là. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Trade et vous allez dans Convertir. D'accord? Je vous montre. Alors, imaginons ici, à la place de BUSD, vous aurez euros. Donc vous mettrez par exemple vos 100 euros. Donc vous pouvez mettre le max. Hein, voilà, vous mettez le max de vos euros et vous les mettez en. Alors vous avez le choix. Vous pouvez prendre. Mettre une monnaie de stablecoin, ok, par exemple comme l'USDT. L'USDT, ça va vous permettre de justement de faire les échanges, parce que c'est une monnaie d'échange en BUSD, c'est très bien aussi. Ou alors par exemple il y a des monnaies qui s'échangent directement comme les bitcoins, vous pouvez les changer directement en euros. Maintenant on va faire les choses bien. Voilà, vous mettrez de l'USDT tout simplement et vous mettez voilà le max, par exemple le max, ça sera, voilà, vous mettez aperçu la conversion. Voilà, vous aurez ici, donc il n'y a aucun frais. Donc ça aussi pour le moment avec Binance, c'est cool, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction. Là, vous mettez convertir, parce que si vous ne mettez pas convertir à temps, il ne convertira pas. Donc là, par exemple, je mets 107,93 et j'aurai 107,90 USDT. Voilà, je mets actualiser. Donc là, vous devrez cliquer directement sur convertir et là, vous aurez la crypto. Moi, je ne vais pas le faire puisque j'en ai déjà. Mais voilà comment est-ce qu'on va faire. Et alors, ça va être exactement le même principe. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie, par exemple, vous avez entendu, vous avez fait vos recherches, très important, faites vos recherches avant d'investir, les amis. Moi, je ne suis pas conseiller financier, je vous montre simplement comment ça fonctionne. Mais voilà. Imaginons que vous voulez acheter, par exemple, BUSD et que vous avez entendu parler du Ripple, par exemple, ok, ou du XLM. Allez, on va prendre le Ripple, je vous montre juste pour exemple. Et vous mettez par exemple le max si vous avez 107, si vous avez 200, vous mettez 100 par exemple. Vous mettez hors Ripple, aperçu de la conversion. Voilà, aucun frais, voilà, on aura 290,29, d'accord. Et donc, vous aurez dans votre portefeuille spot une adresse avec des Ripple, tout simplement. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, vous avez vu les amis, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est vraiment très très simple. Voilà comment est-ce qu'on fait, tout simplement pour acheter de la crypto-monnaie. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on convertit. Après, si vous voulez aller plus loin encore, voilà, par exemple, sur le spot. Donc là, faites attention aussi, hein. Vous voyez, vous avez des onglets au-dessus, juste au-dessus, convertir spot. Par exemple, pour les cryptos que vous n'aurez pas en convertir, parce que toutes les cryptos ne sont pas à convertir. Par exemple, voilà, on va prendre le cas du rose, d'accord. C'est pas un conseil financier, je vous dis pas d'investir sur du rose ou quoi, d'accord. Alors, ça va être très simple, vous allez voir. On prend ici, par exemple, voilà, rose USDT, vous prenez. Vous achetez au marché, si vous faites un investissement long terme, 100 de rose, vous achetez rose et vous aurez du rose aussi dans votre portefeuille spot. Voilà, tout simplement, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà les amis, j'avais vu que des vidéos tuto sur justement sur,
sur l'ordinateur, sur le téléphone, vous avez vu comme c'est simple, on peut acheter de la crypto tout simplement, facilement, rapidement avec Binance. Donc voilà, le lien dans la description. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre un gros like pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez d'autres vidéos, comment est-ce qu'on trade sur futur, etc. Je peux vous montrer aussi, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, le petit like, le commentaire, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Et dans la description, allez checker, il y a plein de liens intéressants. Bref, là je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine vidéo.